tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo assez spéciale. Ce sera une unboxing. Donc il y en aura deux autres, donc Naruto et le DVD. Donc avant ça, je vais vous expliquer un peu l'emploi du temps pour les prochaines vidéos. Donc je pense qu'il n'y aura pas de vidéo au mois d'avril, mai et début juin, puisque je suis en stage. Après, tout dépendra des horaires. Ce week-end, je ferai la vidéo gameplay Lego Marvel, la suite. Mais ensuite, vous me verrez pas beaucoup parce que faut que je cherche un stage absolument. Donc voilà, parce que c'est bientôt là, on arrive déjà presque mi-mars. Donc il faut que je me grouille. Voilà, donc on va commencer. Donc voilà, donc j'ai pas ouvert encore. Hein. Voilà, donc le fameux carton. Donc c'est un comics assez connu de l'univers Marvel. En tout cas, donc en fait je vais découvrir en même temps que vous, donc c'est parti. Alors comment ça se fait ça? Ouais, oui, c'est bon. Alors, ouh, ah bien, le comics, oh magnifique. Voilà, voici le comics, le gant de l'infini. Donc un comics assez célèbre de l'univers Marvel. Donc c'est Thanos contre à peu près tous les Avengers. Il y a Doctor Strange, Spider-Man, Captain America, enfin à peu près les Avengers quoi. Cyber d'argent, les 4 fantastiques. Bon, c'est un bouquin que je vous conseille si vous êtes fan de Marvel en tout cas. Et si vous attendez absolument Avengers 3, en attendant, c'est un bouquin que je vous conseille, Infinity War. Donc celui-là, je l'ai eu grâce à Comics Party. D'ailleurs, je te fais une grosse dédicace à toi. Parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce comics. Il avait fait une vidéo dessus. Parler de l'histoire de Thanos et tout ça. Donc voilà. Donc grâce à lui, j'ai au moins réussi à trouver ce comics. Donc merci à toi. Moi je voulais absolument la voir parce que c'est vrai que moi personnellement j'attends beaucoup Avengers 3 qui sortent au cinéma. Donc là on a eu un petit teaser, mais bon, un teaser de quoi, même pas quelques minutes. Donc voilà, voilà le fameux gant de l'infini. Donc voilà, c'était un comics Marvel, hein, fallait vous en douter. Je vais vous montrer quelques pages. Alors. Par exemple, voilà, regardez-moi cette belle image. Donc c'est à peu près comme voilà, là c'est Thanos. Vraiment, il est très 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 beau, franchement il est magnifique, il est magnifique à ce point là franchement il est très beau. Alors c'est des vieux dessins, hein, parce que le comics date quand même, je sais pas il date de quand, je pourrais pas dire. Donc je l'ai pas lu, hein. J'ai toujours pas lu, hein. J'ai jamais lu ce comics. Par rapport à ce que j'ai, normalement je les lis des fois en avance sur internet. Mais là, celui-là je l'ai pas du tout lu. Donc je l'ai eu pour 17,50€. Donc c'est pas mal. Donc c'est vrai que je m'attendais à un gros bouquin. Un gros bouquin genre du style... un peu comme le Civil War que j'ai. Que je peux pas vous montrer. Si j'ai un gros bouquin du journal de guerre, je m'attendais à un gros bouquin comme ça, mais je pense que là déjà comme ça c'est pas mal, parce qu'il doit avoir pas mal de plus de 150 pages au moins maximum. Une belle illustration en noir et blanc d'ailleurs de la page de garde. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, hop, je peux vous montrer. Je pense que oui, voilà, il manque toutes les pages de garde des chapitres. Donc là voilà, vous avez celle que je vous ai montrée en page de garde, celle-là avec Captain America ici, oula, attendez, voilà, là où il y a toute la clique des héros qui se réunit, très belle image d'ailleurs, là Thanos qui défie un peu tout le monde, parce qu'il défie pas que les Avengers, hein. De ce que j'ai lu, à ce qui paraît, il défie, voilà, il défie à peu près tous les grands, grands titans du monde, du genre Galactus,
Ici que vous voyez. Attends, attends, hop là. J'ai pas envie trop de l'abîmer. Hein. Vous voyez ici, Galactus. Hop. Et il y a un personnage assez important du comics qui est du nom de. Alors, je sais pas si vous le voyez ici. Je vais vous le montrer dans le comics. Si je... Parce que j'en ai beaucoup entendu parler de lui. Et c'est un élément important du comics. Alors je sais pas s'ils vont le mettre dans Avengers 3, je pense pas. Alors attendez, vite fait, il faut que je le trouve. Hein. Je le trouve. Donc, ouais, voilà. Par exemple, il y a lui. C'est vrai que lui, il apparaît beaucoup dans le comics. Ce personnage-là. Alors, je ne sais pas son nom. Hein. Je ne sais pas du tout. Par contre, il ressemble un peu à Krillin. Il me fait sembler à Krillin. Lui. Sauf, il manque juste ses petits points. Il s'écrit Krillin. Voilà, une très belle illustration là où Thanos défie un peu tout le monde. Voilà. C'est magnifique. Alors, voilà. Bon, bah, au pire, attendez, je vais essayer d'en trouver une. Une autre, si je peux. Et si je peux pas. Alors, oui. Si je peux, on va voir. J'espère que je peux. Vous montrer quand même. Ah, peut-être avant. Ah voilà, là par exemple, voilà, bon je vais vous montrer ici. Vous voyez le personnage du milieu là? Lui il s'appelle Adam Warlock, c'est un personnage assez important du comics. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous raconter vraiment l'histoire du comics parce que je ne l'ai toujours pas lu. Je voulais vraiment vous faire une découverte ensemble. Donc bon, je connais quand même à peu près l'histoire, c'est bon, bah, c'est Thanos qui défie un peu tout le monde. D'ailleurs le premier chapitre il s'appelle le défi de Thanos. Oula, l'illustration du Captain America ici là-haut. Je sais pas si vous voyez très très bien. Voilà. Il s'agirait d'éclairer un peu plus. Franchement, oui, je suis très content d'avoir ce comics. Je le lirai. Et puis dans la prochaine unboxing, je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé. Je pense que vu toutes les pages, oh, il me faudra un peu 2-3 jours et puis c'est bon, je le lis. Je le fais facile, voilà. Donc, bah, je peux vous lire le résumé si vous voulez. Thanos, le titan amoureux de la mort. Parce qu'il y a un personnage de la mort, par exemple, qui est d'ailleurs Deadpool vole l'amoureux de Thanos. Donc, l'amour de Thanos, qui est la mort. Et Thanos n'est pas content, hein, je vous assure. Mais pas dans le comics, hein, pas dans ce comics, c'est dans le comics de Deadpool. Détient le gant de l'infini. Donc, le gant de l'infini, bah, c'est ce que vous voyez là. C'est ça. Avec les gemmes. Donc je connais pas trop, mais je pense qu'il y a la gemme du pouvoir, la gemme de l'âme, la gemme de l'espace, la gemme comment ça s'appelle je connais à peu près tous ces âmes, hein, et c'est les âmes que je connais, c'est ceux que je vois dans le film. Donc pour ceux qui ne voient pas, c'est dans le film, c'est un peu les pierres d'infinité, si vous voyez. Je pense que ça s'appelle la même chose là-dedans. Bref, on continue, pardon. Entre ses mains, cette arme ornée de joyaux aux incroyables pouvoirs représente une terrible menace. Et oui, parce que chaque pierre peut détruire déjà une terre, ça c'est sûr. Déjà la pierre de la... je pense que c'est la pierre de la destruction, je pense, ou un truc comme ça. Oh, je sais plus trop. Bref, la pierre violette en tout cas, celle-là là. Attendez. Oui, celle-là. Celle qu'il a là. Celle-là, elle détruit toute vie sur Terre. Enfin, sur planète. Donc, imaginez tous les gels sur une main. Je peux vous dire qu'il fera des dégâts. Hein. Et ça, c'est confirmé. Alors, tous les héros de la Terre entraînés par Warlock, donc le personnage que je vous en ai parlé, devront se rassembler pour le combattre et sauver l'univers. Retrouvez le célèbre maxi-série paru en 1991, quand même. Le comics date de 1991. Et ils l'ont renouvelé, c'est magnifique. Et franchement, c'est une bonne renouvellement. Franchement, là, remasterisation, impeccable. En 1991, imaginez, moi, j'étais même pas encore né, quoi. Encore, allez. Encore 8 ans et c'est bon. Il m'a resté encore 8 ans avant de naître. Superman écrit par Jim Starling et illustré par George Perez et Ron Lim. Donc voilà, donc en 1991, ça qui... Bah, je pensais à un comic de 2006 ou 2005-2007, mais pas d'une telle
une telle ancienneté, genre 1991, c'est vraiment très 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 vieux, mais magnifique pour un comics. Donc voilà, c'était le gant de l'infini. Et donc, bien sûr, le défi de Thanos. Voilà, bah, c'est un très très beau comics, je suis très content de l'avoir commandé. Alors, faut qu'à la base je vous dise, quand je suis allé à la Défense, je pensais le trouver normalement. Hein. En comics normal pour pouvoir l'acheter, mais il n'était pas, donc du coup j'ai demandé au mec de le trouver sur internet, et puis il l'a trouvé, puis il m'a dit qu'il sera sur commande hier, donc mardi, et du coup bah je l'ai reçu hier à la Fnac et je devais chercher. Voilà, bon, bah, c'est un dommage, hein, j'étais obligé de le chercher, c'était un peu chiant. Donc par contre pour le DVD, ils m'ont assuré que ce sera sur Ça viendra chez moi directement, comme ça, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, c'est moi qui ai mal regardé le ticket. Sur le ticket, il y a marqué domicile pour Doctor Strange et le comics livraison à la Fnac. Je pense que le mec n'a pas dû bien comprendre quand je lui ai dit que non, monsieur, pas à la Fnac. Moi, j'ai cours, je ne pourrais pas forcément aller chercher. Heureusement que aujourd'hui j'ai fini un peu plus tôt. Hein, parce que là. Voilà, sinon on était un peu dans le pétrin. Donc voilà, c'était bah, un unboxing hein, pour le gant de l'infini que je vais dévorer là maintenant, je pense. Bon, même si, comme je vous ai dit, là je suis assez dans une situation assez critique, mais bon, c'est pas grave. Je pense que les comics, pour moi, passent avant les études. Pareil pour les films et tout ça, les jeux, pour moi, c'est des comics. Mais voilà, donc je suis très content de l'avoir, le défi de Thanos. Donc voilà, donc si vous le voulez, vous l'avez à 17,50€. À la Fnac, je pense que vous pouvez le trouver en librairie, mais pas dans toutes les librairies. Bien sûr, en librairie, je pense que vous le trouverez moins cher. Ouais, moins cher. Là, c'était la Fnac, c'est quand même un magasin réputé, donc forcément, c'est un peu plus cher. Et puis, c'est carrément un coffret, donc un collector, parce que c'est quand même un Marvel Gold. Hein, ils m'ont précisé, parce que normalement, ils m'ont dit que ce comics, vous l'avez en plusieurs parties. Il y a la partie du défi de Thanos. Ensuite, il y a la partie bah, où le rassemblement et tout ça. Donc, quand je dis plusieurs parties, du coup, plusieurs comics. Et là, j'ai un comics réuni en un. Donc, bah, c'est mieux. Ça m'évite d'acheter la suite. Voilà, donc je pense que le prochain comics que j'achèterai, du moins, je vais essayer, c'est de réunir la Civil War si je peux. Mais ça, j'attendrai avant mon appart. Et puis, dès que j'aurai des sous, je pourrai commander sur Internet. Ce sera plus rapidement. Puis, je vous ferai plus de boxing. Ce sera génial. Du coup, voilà. Bah voilà, le gant de l'infini. Oh, je suis trop content de l'avoir. Franchement, là, je vais le dévorer. Voilà, c'était le gant de l'infini. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi si vous avez le comics, ce que vous en pensez. Alors, bien sûr, ne me spoilez pas du tout. Hein. J'ai envie de garder le plaisir. Et bah, dites-moi ce que vous attendez pour Avengers 3. Parce que, on va dire qu'ils sont un peu. Ils sont inspiré quand même du comics, hein, parce que voilà, quoi, c'est le comics qui prime avant tout. Voilà, bah, c'est la fin de la vidéo, bah, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bah, je pense, je vais essayer demain, mais je suis pas sûr. Bah, pour le boxing bah, des Naruto, je vais essayer demain, si je peux pas, ce sera vendredi. Voilà, sur ce, ciao.